Michel, à votre tour, vous avez voulu nous présenter un jeune artiste. Il s'agit de Thomas Leleu. Il a été nommé tuba soliste à l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Marseille à 19 ans. Il a été la révélation aux Victoires de la Musique en 2012. On l'a surnommé le surdoué du tuba. Aujourd'hui, il est accompagné par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Pierre Bleuze, pour nous interpréter une transcription pour tuba de la célèbre Xardas de Monti, compositeur italien de la fin du 19e. La Xardas est son œuvre la plus connue, de style zigane. Thomas Leleu et l'Orchestre de Chambre de Paris, tout de suite. Thomas, rejoignez-nous. Bravo, bravo.
spectaculaire, hein. Spectaculaire. C'est fascinant. Gros succès. Et d'ailleurs, Rolando, c'est Michel qui lui a demandé de venir, mais Rolando, vous l'avez fait venir dans votre émission d'Arte, où vous mettez en scène des jeunes talents qui s'appellent les stars de demain. Oui, exactement. Et évidemment, on était très ravis et il est absolument magnifique. C'est extraordinaire parce que d'habitude, c'est un solo de violon qui joue ça, évidemment. Oui, normalement, au départ, c'était écrit pour le violon ou même la mandoline, je crois. Ouais. Après, c'était réarrangé pour différents instruments et au tuba. C'est toujours très impressionnant et très virtuose et toujours un grand plaisir de la jouer. En plus, vous le jouez avec humour. Michel, quand vous avez entendu Thomas, vous avez dit non seulement il est formidable, mais le tuba, c'est mon truc. Ah, mais je ne connaissais pas vraiment les possibilités du tuba avant d'écouter Thomas, parce que pour moi, c'était un instrument de l'orchestre. C'est terrible de le dire, mais pour beaucoup de gens, c'est ça. Mais l'imaginer en instrument soliste, c'est quelque chose que je ne pensais pas. Vous avez commencé à quel âge le tuba? J'ai commencé le tuba, j'avais 12 ou 13 ans. Avant, j'ai fait un petit peu de percussion. Et puis. Et pourquoi le tuba? C'est l'instrument, la beauté de l'instrument qui vous a plu, le son, quoi. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard. En fait, mon père est tubiste. Et je crois que comme tous les petits garçons, j'ai voulu faire comme papa. Mais en grandissant, j'ai voulu continuer. Voilà. C'est extraordinaire, en effet, de pouvoir sortir des sons comme ça. Vous avez vu la rapidité à laquelle il joue. Non, en plus, c'est la beauté des sons. Vraiment, il fait chanter son instrument. Il y a un son noble et beau, c'est magnifique. Vous n'avez jamais eu envie, Rolando, de jouer d'un instrument vous-même? Ben oui, j'ai toujours envie de jouer un instrument, mais malheureusement, je ne joue aucun instrument. Et oui, j'ai essayé le piano et mon professeur m'a dit, non, c'est bien, continue à chanter. Quand on commence à chanter, on commence par quoi? Parce qu'au moins, un instrument, on comprend. C'est physique, il y a la position des doigts, la posture. Quand on apprend à chanter, c'est quoi d'abord? Oui, c'est une bonne question parce que c'est bizarre. C'est comme si on demande à quelqu'un qui parle déjà à apprendre à parler. Parce que les personnes qui arrivent à dire « je voudrais chanter » chantent déjà. Donc, non, c'est vrai, quand on rentre au conservatoire, tout le monde plus ou moins fait « plus ou moins ». Donc, avec quoi on commence? Bon, d'abord, trouver le répertoire est très important. Mais vous dites que vous avez commencé tard. Et tard, c'est quoi? Mais tard, bon, c'est pas si tard, mais c'est 20 ans. Il y a, je dois dire tard dans la musique classique. Avant, j'écoutais oui, un peu de musique classique, mais je n'ai pas pris de cours de chant, je n'ai pas pris de cours de... C'est un peu tard si on commence à apprendre la musique, les solfèges, l'harmonie, etc., etc. Michel, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas poursuivi le piano parce que, quoi, parce que vous n'étiez pas particulièrement doué. Parce qu'il y a des choses, si on ne les a pas acquises avant un certain âge, on ne peut pas les acquérir. Et moi, j'ai commencé le piano à l'âge où les jeunes sortent du conservatoire avec le premier prix. Donc, c'était une course perdue d'avance. Mais il faut continuer à jouer. C'est comme chanter sous la douche. J'ai changé d'appartement. Vraiment. Mais la carrière de soliste, ça vous aurait inspiré? Je serais devenu fou. Parce que maintenant, la plupart de mes amis sont des gens qui sont des musiciens classiques, et je vois la vie qu'ils mènent. Et particulièrement... Il n'a pas l'air très malheureux. Non, lui, il est beaucoup plus rock'n'roll que ça. Et Rolando aussi? Non. Mais je ne dis pas que eux le sont. Oui. Je dis que moi, je le serais devenu. Je vois la vie, par exemple, je suis très ami avec un immense pianiste qui s'appelle Nicolas Angelich. Eh bien, je vois la vie de Nicolas. C'est une vie terriblement difficile parce qu'on est très seul. Pour le spectateur, c'est éblouissant. On voit un concerto de Brahms avec toute la formation, Nicolas qui joue, c'est sublime. Sauf que la plupart du temps, il rentre tout seul s'il a joué à Berlin, à je ne sais où. Et puis, la solitude est quelque chose... Et puis, quand vous travaillez tout seul. Quand vous êtes au piano pour travailler une œuvre, vous êtes seul face au piano. Je pense que je serais devenu fou. Vous auriez pu faire autre chose, Thomas? Non, enfin, c'est assez curieux, parce que je crois qu'avant de vouloir vraiment faire de la musique, mon rêve, c'était d'être sur scène. C'était vraiment d'occuper la scène, d'occuper l'espace, et d'être devant un public, d'avoir une connexion avec lui, un vrai lien. Et ce qui m'a donné envie de faire de la musique, d'ailleurs, c'est pas vraiment la musique classique, même si je suis né dans un milieu de musiciens classiques, c'est la variété française. C'est ça qui m'a donné vraiment... Quand j'étais jeune, j'étais allé voir un concert Patrick Bruel, et j'avais vu le lien qu'il avait avec son public. Donc c'est ça, c'est le lien avec le public, la scène. Alors vous auriez pu être, je sais pas, musicien de rock... Oui, j'essaye à ma façon, avec mon instrument, de le mettre sur le devant de la scène d'une façon un peu plus rock'n'roll. Michel, qu'est-ce que vous admirez le plus chez un grand musicien? Ce qui est fascinant, c'est
que ces gens font vivre une œuvre qui a été écrite il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans, 50 ans, 2 mm-hmm. siècles, qui est sur du papier. Et ça, c'est absolument prodigieux. C'est comme un comédien qui... Si on joue Molière ou Corneille, je suis d'accord. Molière ou Victor Hugo, qui redonne vie aussi mais à texte. Mais ça, c'est très, très émouvant. Oui. Quand d'un seul coup, vous entendez une œuvre qui a été écrite il y a un siècle et que vous êtes ému aux larmes, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du magique. Et ça, c'est ça que j'aime. Thomas Leleux, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir.